Et puis bah vas-y. Vas-y. Pardon, j'ai tardé. Non. Bizarre. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Bizarre. 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 Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Il est mort. Allez, le temps presse. Vite. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ah bon, pour Louis? Oh oui, d'accord. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Enfin, elle, c'est la meilleure pour donner de bons conseils, mais jamais trop se mouiller, quoi. Ravie de t'aider. À charge de revanche. On nous a enfermés sans prévenir. 1-1, nous sommes conduits dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Ils viennent d'emmener Annabelle. Je suis sûrement le prochain. Il faut que j'y réfléchisse. Je dois garder la tête froide. Toutes les personnes infectées sur la plaga, par la plaga, je sais pas pourquoi j'étais à la plage là, sont à la merci de Lord Sadler. S'il l'ordonne, ils travailleront jusqu'à la mort avec un sourire sur le visage. Le problème, c'est que l'hôte devient si simple d'esprit qu'il ne peut pas être utilisé pour des tâches complexes. Cependant, nous sommes parvenus à développer une nouvelle espèce supérieure de plaga. Celle-ci n'a pas de capacité de mutation particulière, mais elle présente l'avantage de ne pas diminuer les fonctions cognitives de son hôte. Apparemment, il prévoit d'injecter cette nouvelle espèce dans la fille, car il est important qu'elle conserve ses facultés intellectuelles après l'infection. Tous les tests ont réussi, nous avons même prévu de lancer la production de masse. Un succès total, mais on m'a enfermé et on se prépare à m'injecter l'espèce supérieure dans la salle d'à côté. Annabelle n'est plus elle-même, son sourire a complètement disparu. Elle qui était pourtant si heureuse, écrire est la seule chose qui m'empêche de devenir fou, même si personne ne lira jamais ceci. Eh ben tu t'es trompé, puisque nous avons lu ceci. Minerai de cristal. Ok. Mon loot! Donne-moi ça. Bon, bah j'ai récupéré l'autre grognasse là. Donc ça va être chouette. Puis en fait, je vais pas kiffer parce que je vais devoir m'occuper d'elle. Est-ce qu'on a envie de retourner là-bas chercher ça? Non, hein. Comment ça trou dans le mur? Tu peux m'aider? Oui, sans doute. Ça va aller. Ah oui, c'est là le trou dans le mur, je suis con. Bien sûr. Je l'avais même pas vu en plus. Ok. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Vite. Même pas besoin de crocheter la serrure. Oh. Sauf que j'ai pas le trésor. J'ai pas la carte des trésors, je suis con. Pardon. Du coup, ça va être un peu chaud là. Je veux bien essayer, mais ça va être dur. J'ai de nouveaux articles étrangers. Tu m'en diras de bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangers. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Merci.
Répare-moi ça. Je te souhaite bonne chance. Répare-moi ça. Comme neuf. Et Et voilà, comme tu l'as demandé. J'ai encore d'autres bricoles en magasin, si tu veux. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois. Fais bonne route. Ouais, c'est ça, ouais. Donne-moi la save, elle est où la save, là? Là. Ok, ça va être ici les médaillons, je pense. Je pense que ça va être là. Recharge. Recharge. Je peux pas craft ? Si. C'est tout ? Les carreaux de merde. Attends, je peux pas vendre un... Jette un œil, quelque chose. Bienvenue. Il me semble que j'avais un couteau. Celui-là. Trésor ou pas, c'est pas 600 balles qui vont faire la différence, mais enfin tout de même, par principe. Non, ça je vais le garder. Pour me soigner. Reviens quand tu veux, surtout. C'est cela, oui. Oui. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas tout seul. Il va y avoir des papiers. Oh. Je la hais. Mais comment je la hais? Vite! Comment ça? Dans le cul. Tiens. C'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Denis Brognard, j'ai entendu. Tu regardes Koh-Lanta, c'est ça? Bizarre. À la fin, il n'en restera qu'un, et spoiler alerte, ce sera pas toi. J'aimerais trop qu'on... J'aimerais trop un clip de ça. Ce qu'il a dit Denis Brognard. Je suis sûr qu'il a dit ça. Hein. J'ai vraiment entendu ça. Ah! Il faut que j'en trouve 4 autres. Attends, est-ce que j'ai pas loupé un médaillon quelque part? C'est pas là que je l'ai fait tomber. Bravo! Eh bien, ça va vite.
Bizarre. Attends, combien ça va me rapporter là, cette quête? 5. Ça va me rapporter juste assez pour prendre le la carte des trésors. Ça régale ça. Donc on va aller chercher. Hein. On s'en va pas d'ici. Tant qu'on les a pas tous. Hein. J'en ai rien à foutre. Ok. Bizarre. Hein. Je fais 15 fois le tour là d'ici. C'est pas déjà. Que je peux pas faire des balles. Et c'est tout. C'est tout. Bien. Il resterait pas le dernier médaillon là. J'ai peur d'avancer et que ce soit là. Comment je fais pour monter d'ailleurs? Je veux monter. Par là, c'est fermé là. Cherchons un autre chemin. Oui. J'ai laissé ça là, moi. Bizarre. Ah mais si, c'est le truc que j'ai cassé. Ok, ok. Ça roule. Ça roule. Mettez que je regarde un peu. Il m'en manque 15, c'est ça? 4 sur 5, il m'en manque 1. Alors le dernier, il va être... Il est là. OMG. OMG, il est là. Oui! Bravo! Allez, donne-moi la carte. Tu t'es occupé d'une requête. Tout à fait. Bravo, étranger. J'ai mis la main sur quelques rares. Donne-moi étranger. La carte au trésor. Alors tu pars à la chasse aux objets perdus. Tout à fait, tout à fait, ouais. C'est la règle. Les richesses que tu amasses te serviront. Alors attends. Rien dans la tombe. Je voudrais sortir ceci. Voilà. Il me manquera une pierre. Il me manquera une pierre rectangulaire. Bon. Est-ce qu'on retourne en arrière chercher les trucs? En vrai, non. Pas du tout envie d'aller croiser là. Donc non. Par contre, est-ce que j'ai bien fouillé là? Non. Absolument pas. Y'a rien.
De la qualité, rien que de la qualité. J'en doute pas, j'en doute pas. Recharge. 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 Voilà. Allez, on va pouvoir avancer. Où est-ce que tu vas ? Comment ça ? Comment ça ? Ok, comment ça, comme ça ? Comme ça, dégage. Tout va bien ? Ouais, t'inquiète. C'est là d'où je viens, là ? Non. Ça s'ouvre pas. Bon, je viens de là. Oui, je viens de là. Je reviens là. Du coup, ça me sert à quoi ? Un truc que j'ai pas actionné ? C'est fermé. Bizarre. Il y a un truc que j'ai pas vu. Ou alors il faut que j'utilise Ashley. Ok. Je capte pas. Oui, c'est bon. Vite. Par contre, je n'ai rien fait en fait de l'autre côté là pour le moment. Donc il va falloir le refaire, c'est ça ? Combien de balles dans la tête ? Voilà. Ça va ? Bon, ben on va refaire. J'ai rien. Ok. Oula ! Oula ! Aïe.
C'est bon là? Tout va bien? Ouais, ça va. Elle est relou, vraiment. Vraiment fort. Okay. Viens, charge-toi de ça. Ok. Bon, on va re-y avoir des. Pas du coup, hein. On fait pas. C'est le dos, ça. Quand même que je la fasse venir, non? Attends. Je capte pas. Je capte pas. Si, ouais, okay. J'aurais pu l'abandonner. Hein. Ok, c'est bon. Ça marche. Reste près de moi. Ok. Bizarre. Comment il communique? Il m'a fait peur. Vite. Ah non, ça va pas le faire. Vite. Voilà. Voilà. Non, 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 vite, 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 vite. Oula, oula, oula. Non, 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 non. C'est pas pipou du tout. Pas pipou du tout, du tout, du tout. Lui, c'est entre l'araignée et le scorpion, c'est bien dégueu. Ici, je sais plus. Oui. Hein. Les deux pieds dans la merde. Super. C'est de la merde. Bonjour Lola. Tu tiens le coup? Ouais. Ça sent le caca. Attends, il y reste rien là. Ah ouais, là ça donne envie de bégère quelque chose. Par là. Le fameux niveau des égouts. Ça fait trop plaisir. On y va au même moment, d'accord? Compris. J'ai failli rater. J'ai failli pas comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Reste ici. Compris. Force pour la suite, je m'envole des bisous. Bisous, fuck de l'or. Mais là, il va y avoir exactement les mêmes connards qu'il y a eu tout à l'heure. Ils font le même bruit. Envie de canner. J'ai envie de canner Loni. Parce que j'aime bien les saveurs de l'Italie. Voilà. Voilà, oui, bien sûr. Allez, viens. 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 Dépêche-toi. Vite! C'est par où? Ignoble créature!
Le jeu m'habite. Ok. Vite. 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 Regarde là. Vite. Vite. Mais dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Recule. Je la déteste. Ashley, tu fais quoi là? Ah mais il faut peut-être que je le fume. Bon, alors attends, on va faire autrement. Cache-toi. Ok. J'ai pas besoin de toi dans les pattes. Il est horrible. Horrible. Vite. Recharge vite. Putain de merde. J'étais impressionné par cette gymnastique. Vraiment. Vraiment très impressionnant. Putain. T'es vraiment un amour, toi. Un amour. Bon, du coup, tu viens. T'es pas blessé, j'espère. Non, je vais bien. J'en ai marre d'eux. Bon, on y va au même moment. Ok, d'accord. Un bec. Mais dis pas qu'il y en a d'autres. Je vais pas apprécier ça. Je vais pas apprécier ça s'il y en a d'autres. Pas de courant. Tu t'en occupes ? Pas de problème, laisse faire l'experte. Je sens que ça va puer du sif très vite. Très vite. Where is?
Oh mais attends, j'avais pas vu ça. Oh. Encore. Mais je vais pas avoir assez de pierres. Très joli. Je capte pas, je suis pas du tout au bon endroit là. Avec la merde. Putain, ça fait peur. Je sens que ça va être la merde. Pourquoi le jeu il fait genre là? Le jeu il fait grave genre que tout va bien. Ah mais c'est elle. Putain, juste là, il y a quelqu'un. Juste là, il y a quelqu'un. Ok. Ça s'arrête jamais. Le jeu, il fait genre. Oh putain. Vite. Comment ça? Ah oui, oui, bah oui, bah pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? J'en ai marre. Bon, je vais pas m'occuper du gros qui est avec moi, je vais m'occuper que d'eux. Puisque finalement, c'est ce qui compte. En fait, je n'ai plus de balles. Donc, let's go. Il m'a donné 3 munitions gratos, c'est ça? Bizarre. C'est tout? C'est tout. Et pas beaucoup. Oui. Fabriquer une de pistolet.
fabriquer. Je ne sais pas. Alors vite, recharge ce que tu peux. C'est-à-dire rien. C'est parfait. Ah oui, mais d'accord. Faut que je fasse ça. Bon bah attends, je vais loot avant. Je vais loot avant parce que après c'est la merde. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Eh bien voilà. Allez. Ah mais attends. Attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Actionner là. Et ensuite. Borne de verrouillage électronique. Donc en fait, faut pas que je m'occupe d'Ashley. Faut juste que je fasse ça. Et puis ensuite que je cours ici. Non? Je vais essayer ça. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais on va faire comme si c'était ça. Du coup, je suis pas du tout partie... Ah oui, mais de toute manière, je vais faire genre... Je vais faire genre, je la rejoins là-bas. Vite. Voilà. Je pense que c'est mieux de faire comme ça, finalement. Boum. Comme ça, déjà, j'ai pas l'autre papy pou de derrière. Et comme ça, je peux gérer facilement eux. Je pense que c'est mieux. Vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Il est où? Il est où? Il est où? Oh putain, il a couru. Vite. Mais putain. Suivant. Je comprends pas. Oui. Merci. De rien. Alors. Ça va être la même merde que tout à l'heure, donc... Comme ça, par exemple. Puis, il faut que j'active les 4 éclairs, hein, je pense. Vas-y, je vais. Peut-être comme ça. Comme ça en fait finalement. Bravo! J'ai fait full pif. Est-ce que j'ai rechargé tout? Oui. Est-ce que je peux faire autre chose? Mon loot. Recharge. Mais attends. Voilà. Ça me semble logique. J'ai pas trop envie là de... Tu arrêtes, Ashley, de faire tout ce bouquin. Oh, le marché. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient...
J'en ai assez des rats dégoûtants. Courent partout dans ma zone. C'est immonde. Quelqu'un veut-il m'aider à faire le ménage? Oui. Exterminer tous les rats. De la décharge. Ok. Mon loot. Bien tu vas j'ai quelque chose de m'acheter ceci. C'est tout. J'achète tout. T'achètes tout ? Je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Oui, tu veux me réparer ceci. Être méticuleux me réparer jusque ceci. Dans les moindres détails, c'est le secret. Tu vas... Tu vas... Si tu veux avoir une chance de survivre, on commence à bien cerner. C'est tout ce que je peux faire pour cette arme. Par contre, non, rien, laisse tomber. Et voilà, comme tu l'as demandé. J'ai encore quelques... Reviens quand tu veux. C'est pas mal, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Tu sauvegardes ? Et on y va. Est-ce que je peux craft ? Oui, je vais pouvoir. Non. Fabriquer. Eh bien non. Range-moi ça. Voilà. Comment ça ? Bizarre. Bizarre. Ok. Descends. Ça ressemble quand même vachement à une arène, Léon. Ça. Léon. J'aurais dû Léon. La garder un petit peu. Parce que quel plaisir quand même de l'entendre. Faire son cri de pan, là. C'est clairement une arène, ça. Ça, c'est clairement une arène. Donc, on va se fight. On va se fight. Il y a des trucs explosifs. Il y a ça que je vais devoir utiliser, bien sûr. Donc, voilà. Allez, let's go. Je suis prête. Je le savais. Léon ! Léon ! Regarde. C'est l'ascenseur ? Si on pouvait détruire ce mur... M'agace, le jeu, il fait comme si j'étais con. Alors que pas tant que ça. Même si j'avoue qu'on dirait. Beaucoup. Allez. Une boule de démolition. Laisse-moi faire. Attends. T'es sérieuse ? C'est ça qu'on vous apprend à la fac maintenant ? Vous êtes pas au courant des dernières réformes ? Écarte-toi ! Waouh ! Ah oui. Ah oui. Vite. Vite. Oh non. Vite. Oui, ben toi occupe-toi de ça, moi je m'occupe des papifous. Chacun son taf. Boum. Comment ça? Donne-moi ton loot. Donne-moi ton loot, vite.
Oh non, y a un gros là. Y a un gros méchant là. Non, j'ai entendu. Il y a un gros méchant, pas beau. Pas beau le méchant. Ok. Ça c'est fait. Bravo l'esquive. Incroyable. Dégage. Comment ça? Ça dégage. Ça dégage. Il y a quelqu'un qui m'a insulté. Oh non. Attends, pas sur moi. Si c'est une raclée que vous voulez, je veux bien vous rendre service. Laisse-moi viser le bidon. Il veut pas. Non, pas le laser, le machin, le chose, le truc. Ok. Les araignées maintenant. Oh putain, casse les couilles. J'ai plus de balles, let's go. Un plaisir. Pas pipou du tout. Je vais mourir. Ok. Permettez que je me fasse des balles. Voilà. Ensuite. Voilà. Aïe. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes un peu près, monsieur? Un peu près. Voilà. Comme ça. Voilà. Il s'agirait de s'arrêter. J'ai pas de grenade. Recharge. Je sais pas ce que tu recharges, mais recharge-le. Voilà. Ce serait bien que ce soit fini, là. J'ai plus envie. Bravo! Voilà. Super. Descends de là. Je crois que t'as trouvé ta vocation. Heureusement que j'étais là quand même, hein, mais bon. Vas-y, on va le dire vite fait, quoi. Comment je l'ai sifflé comme un toutou, quoi.
remonter là, visiblement. Ça sert à quoi? Peut-être que j'aurais dû le faire avant, d'ailleurs. Ça m'aurait peut-être aidé. Je peux sauter? Ok, ça me sert à rien. Ok, ok. Qu'est-ce que... J'ai oublié des trucs. Ça, c'est quoi? En noir. Il m'en faut absolument. Non. Très bien, je vais pouvoir fabriquer des munitions de fusil, par exemple. Puis... Puis c'est tout. Puis ça. Ok. Recharge. 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 Ok. Il y a un truc là. Grenade aveuglante. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est pas là du tout. Certains ont aperçu ce qui semble être un étrange cadavre errant, probablement le résultat d'une expérience immorale. Quelqu'un pourrait-il mettre fin à son existence pathétique et lui offrir le repos éternel? Labo d'incubation. J'ai pas éliminé les rats. Attends. J'ai pas éliminé les rats. Les rats, c'était où? Décharge. De skip, mais vas-y, flemme. Tant pis, je le ferai en NG+, c'est pas grave. Tu sais, je me disais, on forme une bonne équipe, non? Non. Sans doute, ouais. Peut-être qu'un jour je deviendrai un agent comme toi. Non. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre n'importe quoi. Non. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. Tout à fait. T'es pas drôle. Non. Bizarre. Allez. Oh, j'ai cru qu'il y avait une porte, alors que pas du tout finalement. Mon loot.
Transport de l'ambre. J'insiste sur le fait que vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors du transport des dépôts d'ambre provenant du sous-sol du château. Travaillez avec le plus grand respect et la plus grande obéissance. Il est impératif que vous ne perturbiez pas le sommeil du corps sacré. C'est sûrement ça dont Louise parlait. Ça va plus du que sévère. On va ramasser le loot avant de provoquer la cutscene, bien sûr. Fabriquer. Tu vas me faire ça. Ça pue du sifflin. Vous le sentez, je le sens, tout le monde le sent. Donne. Mon or. Très cher Lord Sadler, j'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des Plagas est officiellement en cours. Si tout se passe comme prévu, soyez certains que nous atteindrons notre but ultime. Le Plaga est un organisme absolument fantastique qui a la capacité de vivre dans n'importe quel vertébré, qu'il s'agisse d'un humain, d'un chien ou même d'un corbeau. Ce parasite est unique au monde. L'espèce supérieure est particulièrement impressionnante. Car il peut s'intégrer dans son hôte sans en endommager le cerveau. Wow. Personne ne peut s'opposer à votre domination. Mais d'ailleurs, qui serait assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre? J'en suis la preuve vivante. Autrefois, je n'étais qu'une idiote. Dans quelques jours, j'aurai fini d'administrer le plaga, à tous les chercheurs de haut rang. Bientôt, ils sauront. Et lorsque nous aurons accompli votre plan, le monde entier saura. Annabelle Garcia Escudero, chercheuse principale. Alors, je crois entendre vite fait qu'il y a peut-être un petit bonhomme, non ? Peut-être que je fabule. Je vais quand même faire le tour avant. Ce petit tic-tac là, j'ai l'impression que c'est un petit bonhomme, mais j'arrive pas à le cerner. Il est là. Il est peut-être de l'autre côté de la pièce. J'ai l'impression de l'entendre, mais je suis pas sûre. Peut-être qu'il est derrière là. Je l'entendrai de là ? Pas du tout. Je l'entends plus. Normalement, quand tu te rapproches, tu l'entends bien, bien, bien. Ça me perd un peu.
J'ai un peu envie de chercher quand même. Ça se trouve, je fabule totalement. C'est possible. Ça fait genre, il est un peu loin. Du coup, je me dis, il est peut-être sur une poutre, ce petit bâtard. On l'entend, mais pas trop. Ça se trouve, il y a vraiment rien. C'est juste un petit sound design très lointain qu'on entend et... Je le connais par cœur cet endroit maintenant. Je pense que je vais pas trouver de toute façon. On va voir un peu les poutres vite fait. J'arrive pas à trop me rapprocher du son, donc je me dis, ça se trouve, je fabule total. Bon, bah écoute, tant pis. Allez. Ok, il y a plein d'araignées dedans, c'est super. Prosternez-vous. Ceci est notre corps sacré. Non. Notre divine providence est bientôt. C'est lui, Lord Saddler. Bénédiction pour tous. Las Plagas.
Bienvenue. Voldemort. Je suis Osmund Sadler, le prophète de notre dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce? Allez, abandonne ton corps. Non. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Ignoble créature. Ignoble créature. Papi. Papi poule. Ah ! Quoi ? Mon enfant ne résiste pas. Allez, Ashley. Donne le pistolet à Léon. Donne à Léon ! Vite ! Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta... pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Non, je l'ai. Soumets ton corps et libère-toi. Mets-lui une grosse, grosse patate. Vite. Mais putain. Ça sert à juste à rallonger le jeu, quoi. Espèce d'enfoiré. Finalement. On aurait pu se fighter là. Ça sert à quoi de retarder ça? Je comprends pas trop. Même un peu dommage. Cabron. J'ai spawn kill, mais bon, voilà. Tous les moyens sont bons. Développons des défenses. Comme vous l'aviez demandé, le réaménagement de l'île est bien engagé. Des armes et autres équipements défensifs ont été installés pour empêcher toute intrusion venue de l'extérieur. Lorsque nous aurons terminé, l'île sera une forteresse géante. Ces défenses ne tiendront pas sur le long terme, mais elles devraient suffire pour l'exécution de notre plan. Grâce à elles, nous serons plus proches que jamais de notre but final de domination du monde. Personne ne pourra résister à notre puissance. Jack Krauser. Ah oui, c'est l'enfoiré avec... l'enfoiré de militaire, là. Je vois très bien qui c'est. C'est celui que nous avons... un court instant à affronter au couteau.
des munitions, le fusil. Des munitions. Eh ben, ce sera tout. Et je peux faire de... Je peux faire autre chose, hein. Non. C'est cela, oui. C'est ça que je croyais entendre tout à l'heure. Et je pense que finalement... finalement, il n'y avait pas. Tu vas me donner le trésor. Tu vas me donner le trésor. Où est-il? Il est dans la tente. Sûr et certain. Bravo. Mon or. Attends. Un truc là. C'est pour contourner, mais contournons, voyons. Un truc. Kochi. Y'a Kochi. Je me rassure pas trop qu'on ait tant de balles là d'un coup et de loot. C'est pas très rassurant pour la suite. Très joli. Dossier, on sait pas. Opération Ravière. Peu de gens en ont entendu parler, même parmi les hautes sphères du gouvernement des États-Unis. Et bien évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique. Elle a été conduite en secret avant d'être enterrée. Pour quelle raison? Tout simplement car elle était trop inhumaine. Tout a commencé en 2002 lorsqu'une petite unité des forces spéciales américaines a été envoyée pour infiltrer une zone d'Amérique du Sud. Leur mission était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fallu plusieurs années pour préparer cette opération et seuls les soldats les plus émérites ont été sélectionnés pour y participer. Je ne sais pas si la mission a été un échec, mais je sais ce qui est arrivé à ces soldats d'élite une fois la mission terminée. Apparemment, l'unité tout entière a été anéantie à l'exception du commandant, le major. On ne sait pas. Et pas par les cartels, mais par les États-Unis. Extraire une simple unité ne devrait pas relever de l'impossible, un seul hélicoptère aurait suffi. Mais pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. D'aucuns disent que cette décision résulte d'une lutte de pouvoir au sein des hauts gradés. Selon d'autres rumeurs, il s'agirait plutôt d'un ordre de l'ancien président en personne. Malheureusement, l'affaire ayant été étouffée, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Mais je suis certain d'une chose, le gouvernement américain a laissé ces gens mourir, de courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger leur pays. Je veux dénoncer ce crime, non pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir en tant que citoyen américain. Note 1. Ce document concerne l'opération Ravière. Et a été écrit par un journaliste américain du nom de M. Note 2, cet article ne sera jamais publié. Nous nous sommes occupés de M. Bizarre. Bizarre. Si je puis me permettre. Donne-moi ça. C'est moi ? Bizarre. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, le bleu. Ah, je pensais que ça allait sortir de la manette et en fait pas du tout. Un peu plus loin, rien que pour toi et moi.
générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ça sent vraiment très fort le sillon interfécier. Donc j'ai un peu peur. Et enlèvement d'Ashley Graham. Phase 1. Quitter le campus avec la cible. Escorter la cible comme d'habitude jusqu'au début de la phase 2. 3 autres personnes devront être dans le véhicule, y compris Baker. L'unité Dable vous... Dable... Je sais pas comment on dit. Vous suivra à bord d'un autre véhicule. Conduisez-en. Conduisez en empruntant votre route habituelle. Phase 2. Arrêtez le véhicule en prétextant un problème de moteur. Transférez la cible vers le véhicule Dable. Phase 3. L'unité Dable... Je sais pas comment on dit. Dable. Changera de route. Assommez-le. Assommez et attachez la cible. Mettez la cible dans un grand conteneur. Phase 4. L'unité de Baker fera diversion. L'unité d'Henry s'introduira dans la base de données de l'organisme en charge de l'enquête et désactivera leur réseau. Phase 5. Rendez-vous au point K9 et chargez la cargaison sur le bateau. Je sais pas si c'est des personnages connus de Resident Evil. Henry et Abel et machin et chouette là. En charge. Est-ce que je peux crafter un dernier truc? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est ma photo. Très jolie. Allez. On se dégonfle pas. Ça va bien se passer. T'inquiète. T'inquiète. Petit dernier loot. Je sens en tout cas hein, que c'est les derniers. Putain, j'ai eu peur de ça, vraiment. Hein. J'ai eu peur de ça. L'écran. D'accord. D'accord. Et aussi peut-être du bruit du corbeau. Ouais. Très sympa la mise en scène là. J'aime beaucoup. Beaucoup la déco. Ok, prends tout ça. Ça fait plaise. Ça fait très plaise. Ta gueule. Vraiment ta gueule. Je m'attendais à des munitions ou quelque chose. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Bah déjà, la sauvegarde m'intéresse. Ça aussi. En soi, la sauvegarde m'intéresse. Voilà. Ensuite... J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Là. Ensuite, tu vas... Alors, attends. La prochaine. Je vais... sortir... avec... ceci. Une fois, bienvenue. J'achète tout et n'importe quoi. Merci. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Tu vas me réparer comme ça. Non. Me réparer ça. C'est du bon travail. Si
ça. Pattes, hein. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et voilà, ça. Et c'est ça pour voir. Est-ce que je peux peut-être va pas te faire tuer, hein? Bah, écoute, on va essayer. Vas-y. Ça va chier. Peut-être que je me fais des idées et que ce sera pas ce... Ce sera pas ce chapitre-là, hein, le gros combat. Hein. Peut-être. Mais bon, ça ressemble quand même à... un jeu qui te stuff à fond pour un combat, hein, quand même. Si je puis... si je puis avancer ma théorie d'experte, bon. Puis c'est vrai que quand j'ai fait des suggestions sur ce qui allait arriver depuis le début de cette aventure, bah disons que voilà quoi. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, voilà. Le bleu. Ah, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Il t'est arrivé une bricole, non ? Tu ne peux sauver personne ! Laisse tomber, Krauser ! Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi ? Te venger du gouvernement ? Tu crois que c'est ce qu'ils voudraient ? Après, pour se venger du gouvernement, on peut s'arranger. Là, on peut faire équipe, je veux dire. C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure et la plus absolue. Puissance. Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat. Ah ouais, je sens qu'il va pas rigoler du tout, du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Sois sans pitié ! Tu es lent ! Et qu'est-ce que tu peux être faible ? Ah. Ah, il est horrible, il est horrible, il me fait peur. C'est quoi ça ? Oh putain, connard. Je me souviens pas d'avoir appris à gesticuler comme ça. Tu m'as appris à pas suivre les autres de l'autre. Oh. Vas-y. Putain. Il est trop fort, hein. Tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la fille ? Il est où ? Il est caché derrière un truc, il va me sauter dessus, cet enfant. À l'aide. J'ai peur. Tu crois pas que j'ai pas vu ça ? Comment je vais en bas ? Comprends pas ! Je me sens teuteux là. Je capte pas ce qu'il faut que je fasse. Yes. Tu
Vite. Tu te souviens de ce combat dans la jungle? On avait bien failli y rester. Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. L'endroit est truffé de pièges. J'ai pas l'avantage ici. Inconscient! Mais putain, je vais péter. Je vais péter un câble là. Non. Comment je pourrais oublier ? Merde. Il m'emmerde. Ça sert à que de chier, ça. Toujours vivant, hein? T'as de la chance. Et où? Comment ça? Comment ça? Mais vraiment, je peux rien faire. Vas-y, hein, je vais bouffer. Bouffer ça. Je vais jeter ça. T'es survécu jusqu'à présent, mérite d'être salué. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi. La faucheuse vient pour les lâches et les inconscients. Tu es quoi? Bonne question. Je lui demanderai quand je la verrai.
vraiment donné à fond pour moi. Oula, oula, oula. Fallait quand même bien que je te réserve un traitement de faveur, non? Ok. Tu ferais mieux d'accélérer le rythme. Pense à la fille. Vite. Tu vas pas faire long feu si tu bouges comme ça. Vas-y, tire. T'as nulle part où t'enfuir. Contre-toi et bats-toi. Il m'a eu ce... Depuis quand t'es devenu un tel lâche? Vite, tire. Faut pas tirer. Oh. C'est fini, soldat. Vite. Toi et moi, on est les deux faces d'une même pièce. Ce qui veut dire qu'on n'aura jamais la même vision. Ah, connard! Chemin, il n'y a absolument rien après. Venant de toi, je prends ça comme un compliment. Ça y est, t'as fini, Krauser? Je te l'ai déjà dit et répété maintes fois. T'as pas le cran. Parce que pourquoi pas? De faire ce qui est nécessaire. C'est la différence entre toi. Ah. Et moi, le bleu. Il est temps d'achever ton entraînement. Alors déjà tu te calmes, déjà. Et puis ensuite on va peut-être pouvoir parler, mais déjà tu te calmes. T'as complètement pété les plans, Krauser. Et puis ensuite je sais pas où t'es. C'est ça ta vraie puissance? À ta place, je me ferai rembourser. Tu vas regretter d'avoir ouvert ta grande gueule. Ouais. Sinon quoi? Tu vas faire quoi? Ah d'accord, tu fais ça? Félicitations pour avoir trouvé la foi. La foi est pour les faibles. Seule la puissance compte. Ouais. Eh ben c'est super.
Les musiques là, la musique là. Pourtant j'ai appuyé, Super. Recharge. Le loot. Le loot avant tout. Non. Non. Oh. C'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Je peux faire ça, je vais le faire. Ok. Recharge. C'est l'élève qui va corriger le maître. Wow. Je te trouve bien confiant. Amène-toi ! Moi, je te trouve bien insolent. Vite ! On va régler ça. Je savais bien que tu arriverais jusqu'ici. Ok. Recharge. Tranquille. Mais j'en attendais pas moins. Recharge. Tranquille. Après tout, je suis le mieux placé. Recharge. Que tu ne puisses pas voir la vérité. La force, c'est tout ce qui compte. Recharge. Ne peuvent rien protéger. Continue comme ça. Et il n'y aura plus grand chose à protéger. Tu l'aurais su autrefois. C'est là que tu te trompes. Je ne savais absolument rien. Maintenant, si. Déjà ? OMG. Bravo ! Petit bâtard. Je le laisserais tellement souffrir, moi. Bravo ! Je t'ai bien formé. Léon. Mais genre, il y a un petit truc... Il y a un petit truc paternel à la fin qui se crée avec lui. Ça, c'est sûr. La drogue, c'est mal, ne finit pas qu'à Méléon. Bravo ! Allez, couteau militaire. Ah ! Ah ! Alors, attends. Attends, parce que... Bon, voilà. Utiliser. Voilà. Comme ça, c'est pas mal.
Bien sûr, maintenant que le combat est terminé, on me baisse le pont. Parce que voilà, trop aimable. Je vais passer le pont, il va y avoir une petite cutscene et ça va être la fin du chapitre. Je l'ai dit ici. Et voilà quoi. Et j'ai raison en fait, finalement. C'était gênant ça. Un peu gênant. Allez. Cutscene donc. Fin de chapitre. Bravo! Voilà.